trop belle. Ça vous dérange pas si je filme? C'est parce que j'ai une chaîne YouTube, donc je refais le reportage ce soir sur la chaîne. Si vous avez une carte, je parlerai de vous sur la chaîne. Oui. L'atelier de Didi. Oui. L'atelier de Didi. Vous voulez la voir? Le détective. Non, Didi. Ah oui, non. Vous allez refermer. Non. On met de coloré du vert et le tampon, comme il est fixé là, hop, vous le faites. Oh, c'est pas mis entièrement. Alors c'est difficile un tampon de le reprendre, de le remettre au même endroit. On recolore, hop, on retombe au même endroit. Mais parce qu'il est collé dessus, on le voit. Voilà. Là par exemple c'est un champignon, on remet du rouge, hop. Quand vous écrivez par exemple, vous savez, vous qui faites des tampons, par exemple merci, vous savez toujours que dans les lettres, il y en a toujours une qui est moins imprimée, d'accord? Alors vous êtes là, que vous prenez votre tampon, vous remettez, vous bricolez, le M n'est pas à côté, il n'y a rien de plus ralent. Tandis que là, comme le M est attaché, il n'est pas coloré, on en remet, d'accord? Vous tournez la boîte et vous allez pouvoir mettre des petits, d'accord? Si vous avez des enfants, ils adorent. On peut mettre des feuilles 30-30. Ils mettent leurs feuilles, vous leur donnez des tampons, ils vont les colorer avec les uns. Ils vont faire des pages d'albums à colorier. Ils vont prendre leur cahier de... C'est normal qu'il y ait la lumière en même temps. Ils vont prendre la... J'ai le flash dans l'œil. Ils vont prendre leur cahier de poésie. Hop, ils vont décorer leur cahier de poésie. Ben là, oui, j'ai à peu près tout dit.
Par exemple, vous faites un papillon. Bon, normalement, on avait le temps pour papillon. Là, vous faites le papillon. Vous prenez du rouge, du bleu, ça, et vous réancrez le papillon. Alors, c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. C'est lourd, c'est compact, ça ne se vend pas à Action, je vous rassure. Et, non, mais je vais dire ça à nous. Action, il y a bien certains trucs. Ouais, mais. Non, bah non, il n'y a pas des trucs. Madame, comme ça. Il y avait un massicote à vendre. Un massicote, il faut compter 30 euros, vraiment de la très bonne qualité à Fisca. Il y en avait cette semaine 2,95 euros. Ma voisine, elle dit c'est pas cher. J'ai dit c'est même pas la peine, c'est pas possible d'être allée l'acheter. Elle fait crac, déchire le papier. Elle a été reportée pour acheter autre chose. Il faut savoir acheter Action. Si, c'est bien les catalogues, les bazars. Oui, c'est, ouais, oui. C'est vrai, c'est ça. Mais les gros trucs, de toute façon. De toute façon, les gros trucs, il faut vraiment trouver. Hein. Tout ce matériel. Voilà, c'est. Il y a des trucs, des embellissements en caoutchouc. Voilà, vous ouvrez la boîte de caoutchouc, c'est horrible. De... Bref, donc ça, j'en ai déjà vendu 50 euros. Je ne sais pas si vous voulez pas faire la chauffeur. Beaucoup de matériel. Pas beaucoup de matériel, oui et non, quoi. Mais petit à petit, il faut s'approvisionner, on ne sait pas toujours dans quel monde. Mais moi, je débute. Hein. Un truc sympa à faire si vous aimez bien Mixed Media. Tu vas aller à nous ? Mixed Media, ça fonctionne pas mal. Non, il faut aimer, évidemment. Mais ça, c'est tout. Ça, c'est super. En fait, hein, ce genre de choses-là. On met le couche de gesso noir sur un gros carton ou quelque chose d'assez épais. Vous collez tous vos embellissements dessus. Une fois que tout est collé, on fait l'inverse. On colle les embellissements dessus, on met le gesso ensuite. Et après, vous allez mettre deux acrylic paints de chez Prima, plus ou moins coordonnées. Vous faites ressortir des teintes. C'est tout. Ça ne demande pas beaucoup de matériel, quelque part. Oui, du gesso et deux pots de peinture. C'est tout. Mais on arrive à. Puis, il faut aussi toutes les petites choses. Quoi. Moi j'ai des gens en fait qui ont récupéré plein de petits engrenages ou quoi, vieilles horloges et des choses ainsi. Ils ont réalisé ça. Oui, on a vu, oui, pardon. Je vous montre pas, vous inquiétez pas. Non, 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 c'est bon, vous voyez tout. Combien le double rikiki ? 4,20 €. T'as payé combien toi ton petit ? 1 euro. Combien aussi 2 mètres ?
là il y a 6. Oui, il y a plus. 6, mètres ou je sais pas quoi. 6 mètres. Ouais, pas mal. Et là, on voit Coco. Salut à tous. Bisous à tous.
coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Nous avons été au scrapbook de Carvin. C'était